Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Donc vous pouvez me joindre au 06 25 85 92 37. Donc je voulais parler aujourd'hui de Serge Abad Gallardo. Donc c'est en mon nom, hein, en nom de Joseph de la Capelle, mais c'est pas parce qu'on est catholique et légitimiste que l'on n'a pas une pensée politique. Donc je parle en mon nom. C'est quelqu'un que je suis depuis longtemps, qui est excessivement intéressant. Je ne parlais pas de lui parce que sa mission est carrément importante. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été très haut dans la franc-maçonnerie, converti par la Sainte Vierge. Et là, j'avais vu un peu de ses livres. Donc c'est très intéressant. Et puis sur Civitas, qui est aujourd'hui aussi attaqué. Il a fait une conférence d'à peu près une petite heure et il a donné, parce que c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il est converti, mais il a été assez haut, enfin très haut dans la franc-maçonnerie, donc il a à la fois la vision de la franc-maçonnerie et en même temps il a un très grand sens de la catholicité. Donc il explique les choses de manière, je vous recommande cette vidéo. Vous allez sur le site de Civitas et vous avez sa vidéo. Et il explique très bien la différence qu'il y a entre la franc-maçonnerie et la foi catholique. Et c'est excessivement intéressant. Je n'avais pas parlé de lui parce que, effectivement, sa mission est très importante. Donc je me suis dit, est-ce que c'est lui rendre service de parler de lui ou pas ? Enfin là, vu l'état de Civitas et tout ça, et la manière dont on est attaqué aujourd'hui. Donc je le remercie infiniment de son témoignage qui est excessivement important. Que Dieu le garde, il doit être certainement très attaqué. Espérons que Dieu lui prête vie et qu'il ne soit pas martyr de ses témoignages. Voilà, je vous recommande, vous allez sur le site de Civitas, s'il existe encore, il existait encore il y a 2 jours, et sa vidéo sur je l'ai publiée, moi, sur, vous regardez Joseph de la Capelle sur, comment ça s'appelle, le Twitter, voilà, vous allez le trouver, voilà, c'est très important et je le remercie infiniment et union de prière surtout. Et que Dieu lui prête vie longtemps, ce qui n'est pas évident. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde. Notre-Dame de France, Notre-Dame de l'Univers, priez pour nous. Notre-Dame de Boulogne, priez pour nous. Saints et saintes du paradis et du purgatoire, priez pour nous, très sainte Trinité, nous vous prions, nous vous aimons et nous vous adorons. Seigneur Jésus, daignez pardonner nos péchés. À très bientôt à tous, Deus et Rex.